Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, mini-vidéo, donc on commence un petit challenge, building public. Donc en gros, pendant 30 jours, je pense, je vais me lancer dans un projet, donc de zéro, de l'idée, on va dire, jusqu'à la conception. Donc j'essaie de documenter, on va dire, chaque étape. Donc en gros, c'est quoi le concept? C'est super simple, hein. C'est une plateforme où on va upload son CV, donc on va charger ses infos, on va décrire le poste qu'on recherche. Et grâce en fait à toutes ces infos-là, l'intelligence artificielle elle va générer des questions d'entretien. Donc en gros, ce sera une conversation où vous allez répondre de manière audio. Donc tu as la première question, tu réponds de manière audio, ça continue. Donc voilà, c'est vraiment un flot d'entretien. À tout moment, on peut quitter. Et en gros, à la fin, ce serait d'avoir un feedback sur les choses à améliorer, les choses, enfin, les axes d'amélioration, tout ça. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, je sais pas si en français c'est réalisable, bon, en anglais, enfin, la transcription, je sais que c'est tranquille. Donc à voir si j'arrive à gérer aussi niveau des langues. Donc voilà, le but c'est vraiment en fait de documenter ça, de montrer en fait comment moi je m'y prends. Donc il n'y a pas de prétention d'apprendre quelque chose à quelqu'un, il y a rien, c'est pas un truc éducatif, c'est vraiment moi qui apprends. Donc voilà, c'est montrer les erreurs, j'en fais des erreurs, je suis débutant dans tout ça, dans tout ce milieu-là. Donc en fait, le concept, c'est vraiment de partir d'une idée à un produit fini où des utilisateurs peuvent utiliser ce site-là. Donc voilà, si on peut faire quelques euros avec le site, c'est pas mal. Si on fait 0 euros, on aura appris, pareil, on passera sur un autre projet. Et donc en gros, chaque jour, je vais essayer, hein. C'est très dur comme rythme. Chaque jour ou chaque 2-3 jours, je ne sais pas encore quel rythme adopter, mais en gros, je sortirai des vidéos pour faire des updates de mes journées. Donc, ce ne sera pas que du dev, c'est vraiment tout, hein. C'est le produit, c'est se concentrer vraiment sur le produit. Donc là, c'est le day 0, j'appelle ça le day 0 parce que c'est vraiment de la réflexion, on va dire. Et j'ai un petit dossier, enfin un petit fichier Notion où chaque jour, là par contre, là chaque jour j'écrirai ce que j'ai fait de la journée sur le projet. Il y a des journées je ferai rien, il y a des journées où je serai fatigué, je ferai rien du tout. Mais en gros, voilà, c'est un résumé de tout ce que je ferai sur le projet. Donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai fait quoi? C'est vraiment, on va dire, faire des recherches sur le marché, voir les compétiteurs, voir les concurrents, voir les concurrents, aussi réfléchir au MVP. Donc MVP, c'est Minimum Valuable Product, si je dis pas de bêtises. C'est vraiment la fonctionnalité, enfin une fonctionnalité que tu développes, parce que enfin la plateforme, tu vas pas partir dans tous les sens. C'est un truc que tu vas développer. Donc mon compagnon de travail, donc tout est là-dedans. Donc en gros là, j'ai un petit, comme je vous ai dit, un petit Notion. Chaque jour, j'avais déjà fait ça en fait, c'est un type qui s'appelle Victor, c'est vraiment un builder dans l'âme, donc c'est lui qui avait fait un challenge comme ça, 30 days building public. En gros, chaque jour dans son Notion, il mettait ce qu'il faisait. Ça fait un an, je crois, et j'avais vraiment kiffé l'idée. C'est comme ça que je me suis mis, je crois que c'est comme ça que je me suis mis à faire des projets. Je vais vous mettre son Twitter, c'est un Français qui fait beaucoup de projets, qui est actif dans ce secteur-là, et moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et ça a été une inspiration, on va dire, pour commencer les projets, puisque ce challenge-là, en fait, si tu veux, comme tu annonces aux gens que tu vas faire quelque chose, tous les jours, tu es obligé de le faire. Pas tous les jours, mais voilà, tu es obligé, on va dire, d'avancer sur ce projet-là, et tu apprends beaucoup, en fait. Et je trouve ça top. Donc, revenons à nos moutons. Donc, en gros, comme je vous ai dit, c'est une plateforme. En gros, ça sera GPT-4 derrière qui va gérer tout ce qui est entretien, puisque c'est le truc, c'est le modèle le plus puissant entre le 3 et le 4. On va choisir le 4. J'ai même pas réfléchi au pricing, tous ces trucs-là. Là, c'est vraiment juste définir, on va dire, comment l'application va marcher dans un premier temps. Donc là, en gros, l'utilisateur, il pourra créer un compte et se connecter. Il pourra choisir des types d'entretien, entretien technique, entretien avec les talent managers, là, avec les RH. Voilà, on peut choisir des différents types d'entretien. Pratiquer des entretiens, donc en gros, grâce au type d'entretien qu'on va choisir et au poste qu'on vise, voilà, on aura un entretien, on va dire, personnalisé.
Et en gros, pour encore plus de personnalisation, on peut upload son CV. Donc, avec son CV, on aura des infos. Par exemple, si tu es dev, tu as, je sais pas, 5 ans d'expérience, tu es passé par certaines boîtes, tu as certaines choses notées dans ton CV. Donc, en gros, l'intelligence artificielle va rebondir sur ces petits trucs-là. Donc, voilà, une simulation d'entretien et en gros, à la fin, un petit feedback sur quoi améliorer. Donc, voilà, ça sera vraiment la feature principale, donc vraiment le cœur du truc. On va pas s'éparpiller, on va essayer de rester concentré sur ça. Parce que bah, j'ai récemment commencé à travailler avec GPT. Et j'ai jamais bossé avec des fichiers encore, je sais pas comment ça marche. Donc voilà, c'est, on va dire, aussi un gros travail de recherche, de documentation, d'apprentissage. Voilà, voir comment on peut communiquer avec un fichier, comment extraire des infos. Donc voilà, gros challenge, mais moi j'aime bien parce que bah, j'apprends à chaque fois. Et vraiment, bah, comme je dis moi à chaque fois, hein, c'est s'amuser sur le truc, c'est que pas se prendre au sérieux, c'est voilà, faire un projet, apprendre. Voilà, à chaque fois, moi je dis, hein, j'ai 3 ans d'expérience maintenant dans le dev. Donc pareil, je suis toujours un junior, je me considère comme tel. Et moi, tous ces projets-là, même si j'essaie de bah, monétiser, parce que bah, voilà, faut bien manger, et ça fait plaisir. Si tu fais un petit projet que voilà, tu as, je sais pas, même 100 euros à la fin du mois, ça fait grave plaisir. Mais voilà, moi, l'objectif à chaque fois, hein, c'est d'apprendre. C'est vraiment apprendre, gagner une expérience. Et je sais pas, si un jour, je sais pas, je suis amené à changer de boîte, bah ça par exemple, ça peut me servir dans la balance. J'ai tel projet qui tourne, demander peut-être un peu plus en salaire, ou peut-être être calé sur tel sujet. Donc voilà, essayer de prendre le train de l'IA, c'est une tendance actuelle, et je pense que c'est important de savoir bosser avec et pas être effrayé. Donc voilà, c'était le premier jour, première vidéo. Donc voilà, comme je dis, je sais pas quel rythme on va prendre pour les vidéos, parce que ça prend, même si ça dure pas longtemps, ça dure 10 minutes, mais voilà, faut le temps de préparer les idées, tout ça. Donc soit tous les jours, soit tous les deux jours, soit tous les trois jours, on va voir. Mais en tout cas, le Notion, il sera mis à jour, bah ça c'est sûr, tous les jours de taf, même si il y a des jours où je vais pas travailler. Par exemple, je sais pas, le samedi ou dimanche, ça c'est des jours où je vais pas faire grand chose. Donc voilà, pareil, dans le Notion, ce sera écrit nada ou ou repos, ou je sais pas, je mets sortie. Mais en gros, voilà, c'est vraiment essayer de documenter ça, montrer à tous les autres devs, juniors ou pas juniors, mais voilà, les juniors surtout, qu'on peut essayer de monter des petits projets step by step, apprendre, parce que bon, on n'est pas calé sur tout. Donc apprendre, et quand tu gères, on va dire, un projet comme ça, tu es un projet en solo, c'est que tu dois être sur tous les tableaux: le marketing, la sécurité, la communication, ça rejoint le marketing, mais le dev, tellement de sujets. Et à chaque fois, j'en apprends, et c'est grave cool. Donc bah, je vous dis à très bientôt pour la suite.